Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartourag 17. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour les tirages du jour du vendredi 4 août 2023. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Dernier jour de la semaine, vendredi 4 août. Alors, le 4. C'est vrai qu'avec le 4, on a l'impression d'être bloqué. Hein. On a l'impression d'être qu'il y a du retard dans tout, qu'il y a des restrictions. En fait, et puis qu'il y a des difficultés un peu partout. Mais le 4, il est là aussi quelquefois pour nous dire ou nous faire poser des questions, de savoir si on a pris la bonne décision, voir si on est dans la bonne direction, voir est-ce qu'en fait c'est le bon chemin qu'on a pris. Côté professionnel aussi, on peut, là il faut redoubler d'efforts, il faut remonter ses manches, c'est un bon chiffre bien sûr, mais il faut vraiment travailler, quoi. Il faut s'en donner la peine. Côté sentimental, on est dans une, là, dans une relation qui est plutôt pérenne, qui est calme. On est vraiment dans la perspective d'une relation très solide. Là, on n'est pas dans l'éphémère du tout. Hein. Alors, le 4, avec ses côtés positifs, on a l'esprit très pragmatique. On est bien ancré, ordonné. On est travailleur, donc logique et réaliste. Avec ses côtés négatifs, on peut se montrer têtu, camper sur ses positions, avoir des idées un peu brouillonnes, manquer d'imagination et être un peu matérialiste. Notre vendredi associé à Vénus, on aime, c'est les plaisirs, c'est la beauté, c'est la féminité, c'est la joie, c'est également les rendez-vous galants. Concernant nos couleurs du vendredi, c'est le rose, le blanc et les teintes douces. Voilà les amis, on va tout de suite regarder quelle est la plume pour notre vendredi 4 août, cette jolie plume qui va être là, qui va nous accompagner pour cette journée. Bon, eh bien, écoutez, elles ont voulu tomber, on va les garder. Hein. Allez, on a la orange et l'arc-en-ciel. Bon, il y a certainement des messages à recevoir, là. Alors, l'arc-en-ciel, déjà, c'est plutôt pas mal, je viens de voir. Et nous allons chercher la orange. Alors, nous sommes avec la orange dans la communication, les amis. Et dans l'arc-en-ciel, nous sommes dans le triomphe. Alors, la communication, elle nous invite à communiquer ouvertement aujourd'hui, sans détour, sans faux-semblant. La communication va être dénuée de tout sous-entendu, bien sûr, et elle doit rentrer en résonance avec son cœur. On ne vous demande pas de vous justifier, mais tout simplement d'honorer les vérités et ce que vous allez dire. Et du coup, ça va amener vers un triomphe. Le triomphe qui va amener une certaine notoriété, une reconnaissance que vous attendez depuis longtemps. C'est fin du parcours du combattant. C'est plutôt sympathique. Elles ont voulu tomber. On s'exprime avec clarté. On a le courage de dire les choses et surtout avec son cœur. Et on va vers un beau triomphe, les amis. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt sympa. Alors ça, c'est parti avec notre jeu de 32. On va voir un petit peu pour notre vendredi 4 août. Vendredi 4. Et nous avons à la coupe une situation liée à l'étranger ou une autre ville, un autre département, une autre région. Un homme qui vit au lointain ou une situation en tout cas liée avec cet homme sur une situation du lointain, très officielle. Il est question de papier administratif concernant cette situation. Quelque chose qui vous a travaillé, mais c'est bien pour un nouveau départ. Peut-être question de voyage, il est peut-être question de partir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons bien cette situation d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, quelque chose qui va vous perturber, mais vous perturber dans le bon sens. Hein. C'est aussi une situation qui va se décanter assez vite, qui va se mettre en place. On démarre quelque chose de nouveau, les amis, avec votre homme de cœur. Hein. Un homme sur qui vous pouvez avoir confiance. Il va y avoir un déplacement qui fait un petit peu peur concernant un changement. Mais oui, si c'est un nouveau départ, il peut y avoir un nouveau premier rendez-vous également. Sentimentale d'un homme qui habite au lointain. Alors, en dominant, nous avons le rendez-vous et peut-être un rendez-vous sentimental pour certains. Nous avons un rendez-vous, un imprévu en tout cas, l'inattendu. Oh, attention, il y a un rendez-vous qui peut se retrouver bloqué. Ou ce rendez-vous permet aussi de couper quelque chose, de mettre fin à une situation.
Bon, s'il est bloqué, vous allez le recevoir, le savoir par courrier. Ou bien il y a un courrier qui est bloqué. Ça peut être pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Il y a également question de votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, ou vous, si vous avez les cheveux clairs. Hein. Peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui elle-même se retrouve dans une situation, on va dire, un petit peu embêtante. Hein. Il y a effectivement un retard, un retard concernant un courrier. Et ça peut concerner la maison, la famille, le foyer, peut-être avec votre maman. Ça va vous contrarier, hein, hein. Il y a une situation de contrariété concernant un problème familial ou en lien avec la maison, le foyer. Bon, ça vous contrarie, mais vous avez la réussite, hein, d'accord? Alors, nous avons des gens pas sympathiques autour de cette situation. Attention à la trahison familiale également pour certaines personnes. Nous avons ici votre fils ou bien votre frère. Peut-être que par rapport à cette situation aussi de trahison, vous avez quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, un coup de main. Ça peut être vos enfants. Hein. Là, on a des enfants, on a une situation familiale, mais il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très sympathique là. Hein. Ça peut être aussi un homme qui est là dans cette situation, qui représente pour trancher les finances. Il peut y avoir une dispute autour du financier, un désaccord concernant autour du financier. Il y a un rendez-vous de l'inattendu pour votre fils, votre frère, ou bien en lien avec un monsieur sympathique qui peut vous donner un coup de pouce, mais qui vous contrarie parce qu'il y a une situation de blocage en lien avec un autre homme. Mais de toute façon, il y en a un qui va décanter la solution, la situation, puisqu'on va se retrouver avec une réussite. Il y a juste un retard concernant un courrier, concernant ce financement. L'argent. Il va y avoir un retard, une situation pas très simple, pas très agréable au niveau famille, foyer, ça peut être un héritage, en lien avec votre maman ou pour vous si vous êtes veuf célibataire, plus de la cinquantaine. J'en mets une sur... Attends, avant, je regarde. 7, il n'y en a qu'un. 8, il n'y en a qu'un. 9, 1, 2, 2. 10, il n'y en a qu'un. Valet, il y en a... 4. Ah, 4 volets, les amis. Discussion, négociation et ça va être constructif. Donc, ce qu'elle veut dire, parce qu'on a bien 4. Hein, discussion, négociation. Alors, la discussion, est-ce qu'on voit du retard, on voit du blocage et du retard. Mais il va y avoir une négociation de trouver, puisque de toute façon, on a la réussite. Dame, 2, roi, non, as, 2. Bon. Allez, le 9. Et notre valet. Allez, c'est une situation officielle. Alors, ou c'est un homme officiel qui bloque la situation, qui coince, qui... peut-être un homme officiel qui pose un problème, hein. Nous avons un nouveau départ. Et sur ce nouveau départ, il y a des gens pas sympathiques. Il y a de la trahison autour, hein. Quelque chose de pas sympa. Nous avons un homme officiel qui peut bloquer une certaine situation. Maintenant, ouais, c'est comme ça que je le sens. Alors, nous avons ici un rendez-vous de l'imprévu, de l'imprévu. Pour vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien en lien avec une personne plus âgée que vous. Ça peut être en lien avec votre maman si c'est une histoire d'héritage, hein. Nous avons ici dans la maison, dans la famille, votre fils, votre frère ou tout simplement quelqu'un de sympathique. Mais attention, il y a une colère concernant un autre pas sympathique, des gens vraiment pas gentils qui vont vous enquiquiner pour démarrer un nouveau projet. Vous pouvez apprendre une grossesse dans la famille, ça vous contrarie. Alors, il est question de financement également. Peut-être que c'est autour de ce financement qu'il y a un souci. Pour vous, si vous avez les cheveux clairs, ou en lien avec votre sœur, votre fille, mais j'ai l'impression que nous, au niveau financier, vous allez avoir un courrier où il a été bloqué, où il va bloquer. Et c'est peut-être tout à fait officiel, hein. Juge, notaire, avocat, il y a une situation là avec un homme officiel. On peut recevoir des nouvelles concernant peut-être aussi le médical qui sont peut-être pas sympathiques. Alors, nous avons ici, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous. De quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, en lien avec toute cette situation derrière, d'ailleurs, de mettre en place un projet, quelque chose qui est retardé, mais de toute façon, il a la réussite. Et vous avez la réussite grâce aussi peut-être à cet homme. Bon, bah dites-moi, ça bouge un peu pour ce vendredi, hein. N'oubliez pas,
ces deux cartes-là vont vers du positif. Allez, oracle des miroirs pour notre vendredi 4 août. Vendredi 4. La jalousie est là, la jalousie concernant une situation extérieure, au lointain, concernant du financement, la famille. Bon, bah écoutez, si on a un domaine d'héritage, hein, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance. Hein, concernant ou la famille, ou concernant cette jalousie justement familiale à cause de l'argent, vous prenez de la distance, hein, les amis. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Et nous avons la jalousie que nous retrouvons. Hein. Bon. Alors, cette jalousie, elle vous met en instabilité, elle vous met pas bien, elle vous fait cogiter. Hein. Il y a un retournement de situation, il y a peut-être un revirement, un retour de jalousie qui vous impacte beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de chance qui est là. Donc, la jalousie, même si elle revient, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, elle est peut-être aussi elle derrière. Hein. Ce qui revient, c'est énormément de chance, d'amour, de sentimental. Vous avez un beaucoup de chance, vous prenez de la distance. Quelqu'un va peut-être vous aider d'ailleurs. Vous prenez de la distance vraiment en toute sincérité. En tout cas, vous prenez un nouveau chemin. Hein. Ah, c'est bien clair et net et vous avez superbe protection. En dominant, nous avons eh ben, l'étranger. On retrouve autre ville, autre département, situation externe à chez vous. En tout cas, peut-être projet en lien avec l'étranger également. Eh bien, il y a une victoire. Les amis, une très belle réussite en lien avec l'extérieur. En lien avec une autre ville, un autre département, une autre région. Belle évolution. On y va, on y va, on y va. Attention, ça cogite. On a peut-être peur de ne pas réussir avec un homme ou pour un homme. C'est un homme peut-être qui cogite un peu là. Bon. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de retard qui a été pris. Ça vous a fait peur. Vous allez devoir discuter, en prendre la parole, les amis. Vous allez décider quelque chose, ça va être acté, et un nouveau départ. Une ouverture de porte. Les amis, on voit quelque chose qui vous est proposé là, qui arrive là. Oh, regardez ça, nouveau départ concernant le financement également. L'argent qui arrive, plein de bonheur sur l'argent qui arrive en famille également. Pour votre propre famille, c'est juste le mental je pense à un moment donné, hein. Eh bien, dites-moi une situation venant de l'extérieur, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, en lien avec l'étranger, en lien avec une situation externe, c'est une très belle évolution. Vous prenez une décision très officielle qui vous propose une belle ouverture de porte, là c'est la victoire. La victoire également sur vos échecs, sur vos peurs, nouveau départ. On voit bien qu'il y a eu un peu de retard concernant le financement, dans la famille, dans vos projets avec un homme ou en lien avec un homme. Vous avez été obligé d'en discuter, d'en parler, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. L'argent arrive également lors d'un verdict en lien avec un homme ou pour un homme. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le nouveau départ qui a eu un petit peu de retard peut-être, mais en tout cas, on voit qu'en famille, il y a une belle évolution, une belle ouverture. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt sympa. Hein, j'ai juste échec, mais je pense que c'est le mental. Il n'y a rien de bien grave. Ouais, c'est un retour au calme, un retour de karma. Vous avez eu peur, mais tout se passe très bien. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, vendredi 4 août. Ça va plus vite, ça va assez vite quand il n'y a rien de négatif, que tout est fluide. Et on sent les énergies assez fluides d'ailleurs. Allez, vendredi 4 août. De l'amour, du sentimental. Regardez ça. Et regardez ce que j'ai vu derrière. L'amour est protégé hein, pour certaines personnes. On va peut-être coucouner dans une petite maison là, à la campagne. On va se ressourcer, se reposer. Il y a beaucoup d'émotions également dans quelque chose. En tout cas, vous êtes protégé. Très forte protection.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Elle a voulu venir, je la mets sur le côté. Hop. Bon, attention à l'arnaque. Il y a peut-être eu arnaque. On va souffler enfin maintenant. Vous avez été reconnu sûrement comme quoi on avait été injuste envers vous. Vous retrouvez la paix et beaucoup d'amour, les amis. Nouveau départ également sentimental. Nous avons en dominant eh bien, la passion. Quelque chose qui vous fait vraiment très plaisir. Ça peut être sentimental, bien sûr, mais pas que. Oh là là, regardez ça. Vous avez un bel appui là. Hein. C'est pour vous, mon consultant, ou c'est grâce à un homme? C'est en lien avec un homme également. Alors, il y a quelque chose qui ne bouge pas là, qui est stérile, la ruine. On essaye de vous mettre mal. Ça, pour moi, ça ne bouge pas. Il peut y avoir aussi tout simplement une situation qui est en attente et qui vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Vous n'êtes peut-être pas bien du tout chez vous aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas bien du tout. Ça peut concerner l'argent également. On peut être en difficulté financière également. En difficulté au niveau de son travail, de son entreprise. En difficulté pour une entreprise que l'on veut mettre, ben, qu'on veut changer peut-être. Et on ne peut pas. Au niveau financier, on est un peu coincé. Bon, regardez. Vous allez avoir la réussite. Les choses vont évoluer, les amis. Parce que ça avançait peut-être pas vite, ou c'est en lien en tout cas avec une situation qui n'avance pas vite. Ce que vous souhaitez, c'est la réussite. Eh bien, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Regardez ça. Vous avez la solution qui va arriver à vous, les amis. Et vous allez avoir une très belle élévation. Bon, beaucoup de passion avec un homme ou pour un homme, hein, au niveau de l'activité, de quelque chose qu'on veut mettre en place, mais effectivement qui n'avance pas vite, qui ne va pas avancer vite, mais il va vous apporter son appui, son aide. Sur quelque chose qui, pour l'instant, ne bougeait pas, il va y avoir une belle réussite, les amis. On a quelque chose qui ne va pas autour d'une invitation. Il y a eu un coup de frein, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y a une belle élévation qui est là, on la souhaite, en tout cas, dans la maison où on ne se sent pas bien. Ça peut concerner le financier également, hein, forcément. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger, les amis. Même si ce n'est pas tout de suite, on voit très bien que ça n'avance pas vite. La situation va évoluer. Peut-être que pour certains, on va également avoir une jolie invitation sentimentale, amoureuse, ou en tout cas avec beaucoup de passion. On va fêter quelque chose au niveau entreprise, au niveau travail. Hein. Quelque chose qui ne s'engageait pas bien, pour lequel vous avez eu beaucoup d'appui, une belle réussite d'ailleurs. Et la solution. Pour d'autres, il y a une maladie concernant un homme, on va vers du mieux. Quelque chose qui n'avançait pas vite également. On voit qu'au niveau argent, certains se retrouvent un petit peu bloqués. J'en mets une sur stérile. Hein. Alors, la maladie. Bon, vous allez finir par être reconnu. Alors, c'est peut-être une reconnaissance en maladie que vous souhaitez. Une reconnaissance, effectivement, il y a le travail qui est là. Une reconnaissance de maladie professionnelle. En tout cas, vous allez être entendu, écouté. Ah, c'est un procès, là. Donc, c'est bien ça, c'est un litige qu'il y a pu y avoir pour certains au niveau professionnel. Mais on voit très bien que vous allez finir par avoir le dessus. Hein. Ça va fonctionner. Vous allez être reconnu dans votre... Vous allez pouvoir le fêter, vous allez vers une reconnaissance. Hein. Oui, vous avez la grâce sur quelque chose qui ne bougeait pas, les amis. Si vous avez le sentiment que c'est figé, que ça ne bouge pas, vous avez la grâce, vous avez de toute façon la réussite qui arrive avec la clé. Allez, on va terminer avec une petite carte. Nous avions une carte qui était retournée, là, que j'ai pris. Il y a de l'inattendu qui arrive à vous, quelque chose de beau. Regardez cette couronne, les amis. Elle n'est pas tombée, hein, comme ça, pour... Allez, les petites guidances étoilées pour terminer notre tirage du vendredi 4 août. Hop. Pour nos taureaux.
Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Lion. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Vierge. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Cancer. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Balance. L'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente-toi et fais voler ton esprit. Gémeaux. S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Capricorne. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, c'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Poissons. L'échec. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Scorpion. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Verseau. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Bélier. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours et envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Et nos Sagittaires. La guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour et concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que ce tirage du vendredi 4 août vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour vos commentaires si sympathiques, qui sont très bienveillants. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à bientôt.